Salut, de retour chez moi et regardez tout ce qui m'attend. Je sais pas si vous verrez, mais il y a trop de colis qui m'attendaient à mon retour. Donc je suis hyper ravie de les ouvrir aujourd'hui avec vous. On va tout de suite commencer. Alors il y en a 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sachant que le dernier c'est la Dégustabox, donc je l'ouvrirai dans une autre vidéo parce que sinon ça va être vraiment trop long. Je pense que d'ailleurs cette vidéo va être très longue aussi, mais vous ne m'en voudrez pas. C'est une vidéo ghosting de retour de vacances. Là il y a déjà pas mal de choses en fait dans ce colis là, parce que c'est des colis que j'avais reçus juste avant de partir en vacances, mais j'avais pas pu tourner de vidéo unboxing parce que j'avais pas du tout le temps. En premier je découvre la box Sweet Sparkle. Ensuite dedans il y a aussi plein de produits comme ça Octoly, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'ai eu une super box, une sublimissime box de la part de Herboris. Elle est trop jolie, regardez. Donc on a un petit menu comme ça, ils appellent ça la Beauty Herblogger. Les voici enfin, tu tiens entre tes mains les 5 produits Herboris. Donc il y a toute une routine comme ça de 5 produits. C'est juste top. Merci à la marque Herboris qui nous a envoyé ça. Ça va me permettre de découvrir tous les produits. Et je suis super contente parce que c'est un des produits que je voulais tester aussi dedans. C'est la mousse crépitante après soleil. Donc certes je suis revenue de vacances, mais ça servira c'est sûr, c'est toujours une sorte de mousse hydratante, mais le fait que ce soit crépitant ça m'intriguait vraiment beaucoup. Donc il y a la mousse, ensuite il y a le gel contour des yeux hydratant. Donc dès que je vais pouvoir un peu me réutiliser des produits sur mon visage, dès que ça ira mieux ma peau, là ça commence, mais du coup je fais attention, je vais pouvoir me faire une routine vraiment herboriste. Donc voici le gel pour les yeux, mais je vous en reparlerai de toute façon dès que je les utiliserai, surtout cet hiver je pense. Le fluide hydratant visage, donc la crème un peu de jour comme ça. Ensuite on a un packaging un peu comme ça, style peau. C'est un masque perfecteur de teint de la marque toujours Herboriste, et c'est le Color Control. Sympa leur packaging quand même, c'est hyper original. Et le dernier pot qui est juste énorme, si vous voyez ça fait la moitié de ma tête, c'est un produit qui est en deux parties, le Tai Chi Mask. Alors, le Tai Chi Mask d'Herboris pour le visage contient des extraits de plantes chinoises dont la racine de pivoine. Ce soin est composé de deux produits en un masque noir qui purifie et un masque blanc crémeux qui révèle la luminosité de la peau. Il apporte une expérience toute nouvelle à votre visage. J'ai hâte de tester ça parce que c'est juste hyper intriguant et c'est vraiment une marque que je voulais découvrir, donc je suis hyper ravie. Ensuite de la part de Octoly, j'avais commandé, ben, pour le retour de vacances, ça je voulais absolument, ce sont des produits Somatoline. Je me suis dit que là j'allais me reprendre en main un petit peu au niveau du bidon puisque j'ai accouché vous savez il y a 4 mois, et je voulais donc des produits un peu remodelants, comment on appelle ça, tonifiants, etc. pour ma peau. Donc j'ai choisi deux produits, comme je vous disais, de la marque Somatoline cosmétique. Donc il y a une sorte de, comment ça s'appelle ça, une sorte de gel drainant, de toxifiant amincissant, de nuit détox. Donc j'ai hâte, ils disent amincir jusqu'à 2,9 cm en 15 nuits. C'est un truc que vous mettez le soir avant de dormir. Gros packaging énorme de 400 ml. Ça va être juste, ça sent à travers le packaging, ça sent très bon d'ailleurs. Ça je vais tester tout de suite et je vous fais très prochainement une vidéo un petit peu bilan, déjà bilan de mon poids après ma grossesse, bilan après la sleeve aussi. Au bout de 4 ans on reprend un peu du poids aussi avec la sleeve, et je vais vous reparler de quelques produits que j'utilise pour ma peau un peu flagade. Et du coup ça c'est le deuxième produit qui m'intéressait vraiment bien, c'est le Use and Go spray huile minceur non gras absorption rapide. C'est en fait une huile en version spray, mais vraiment vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est vraiment un spray fin. Donc j'avais envie de tester parce que j'en ai un petit peu. J'ai pas envie d'utiliser des huiles un peu sur le corps comme ça, je trouve ça casse-pied. Et du coup là, le fait que ce soit en version un peu spray plus fin, je me demandais si ça allait vraiment être moins gras et plus efficace. On verra, je vous en reparlerai très prochainement. Ensuite j'ai reçu deux produits MAC, et ça je suis juste trop contente que Octoly et MAC aient accepté de me les envoyer. Je vais les utiliser très prochainement dans un Get Ready With Me, je pense spécial rentrée des classes. Il y a le blush, alors j'avais commencé et commandé la teinte Unshed Tone, et je pensais que c'était une sorte de, bah un peu de corail, mais j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas il est hyper lumineux, c'est un corail mais vraiment un peu bronze, il est sublime hein. Vous voyez un petit peu ça?
Je vais swatcher, mais ça m'intrigue. Il est hyper, hyper lumineux. C'est un corail rosé, un peu style orgasme. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais il est sublime. Très lumineux, donc ça, j'ai hâte de tester aussi. Et pour aller avec, j'ai le mascara Bold and Bad Lash pour des cils supérieurs et inférieurs. Donc c'est pour les deux et il est trop trop beau le packaging. Oh, mais il est juste magnifique. Et du coup il est en deux parties, donc vous avez un petit mascara et un grand mascara je pense. Faites voir ça. Ah ouais, génial. Oh là là, en haut vous avez donc le petit mascara pour les cils inférieurs, du bas. C'est génial ça. Oh, j'ai hâte de tester. De toute façon comme je vous ai dit, je vous le remettrai dans une vidéo. Et le gros mascara du coup pour les cils supérieurs. Trop trop bien. Et le packaging, faut avouer qu'il est quand même, il déchire quoi, il n'y a pas d'autre mot, il déchire. Trop bien, ça, j'ai hâte aussi de tester. Donc on passe maintenant à la Sweet Sparkle Box. Oui, j'aime bien prendre un accent américain. Comme ça mes copines vont pouvoir se moquer de moi encore. Un Mélanie, un Lily. Donc dans la Sweet Sparkle Box, j'ai pas du tout été regarder les vidéos des copines parce que je voulais pas être spoilée. Donc je voulais la surprise pour moi. Comme ça vous verrez mes réactions vraiment sans filtre. C'est, je suppose, la box d'août. On découvre le thème, c'est Copper Chic. Et j'adore recevoir cette box. Ça me fait découvrir des produits américains, des produits petit budget. Enfin voilà, plein de petites choses. Et il livre en France, donc c'est toujours cool. Et il n'y a pas aucun frais de douane ou quoi que ce soit. Donc je vois qu'on a en premier une espèce de masque pour le visage, je pense un peu asiat, céramide, yon masque de la marque Shield Life. Vous savez, c'est les masques en tissu que vous mettez sur le visage et il vaut 5$, c'est un bonus. Ça c'est cool, bah écoutez, moi je suis ravie. Ensuite je vois une petite palette de blush on dirait. Une petite palette de blush comme ça de la marque Coli Professional, non, Coqui, pardon, Professional Blush Up. Et elle vaut 9$ cette palette. Vous savez, dedans c'est toujours bien présenté comme ça avec des igouigouis qui protègent. Moi j'ai jamais eu de casse. C'est vraiment hyper bien protégé à chaque fois. De toute façon, vous l'avez vu à chaque fois dans les vidéos. Et il y a 3 blushs à l'intérieur qui sont vraiment, ma foi, très jolis. La référence BL753 Blushing. Ils sont vraiment sympas. Hein. Il y a 3 teintes, dont plutôt quand même dans les corails, donc ils vont très bien avec ma tenue. Je trouve ça très beau. D'ailleurs, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je suis pas, j'ai pas de blush, j'ai vraiment rien. J'ai juste du maquillage sur les yeux, c'est tout. Ensuite, on a un crayon pour les lèvres. Très sympa cette couleur de la marque Jonte Bleu. Jonte Bleu, je sais pas comment ça se dit. La 930 Natural et ça coûte 5$ aussi. C'est une couleur très nude. Très sympa. Bon, ça c'est parfait aussi. Ça c'est parfait. Ensuite, je suppose qu'on a. Ah, on a un mascara et on a un rouge à lèvres du coup qui va avec le crayon à lèvres qui est le. Toujours de la marque Jonte Bleu. Pareil, combien il coûte celui-là 7€. C'est un velvet matte. Mais pas en. C'est en stick en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres stick. Et du coup c'est un nude. Voilà le packaging. Comme ceci. Et faites voir la couleur. Est-ce qu'elle ressemble du coup à... Oui, elle est vraiment proche de... Elle est vraiment proche du crayon pour les lèvres. Donc c'est parfait. Un combo parfait. J'aime beaucoup ce style de couleur un peu nude rosé. Très très joli. Je ne vous ai pas oublié. Je vais vous faire prochainement une vidéo. Vous inquiétez pas. Spécial make-up USA. Et le dernier produit qui a l'air d'être une sorte de shimmer ou de base à paupières, je sais pas trop. Le packaging est trop mignon. Alors c'est une ombre à paupières de la marque Blinkle. Shimmer Eyeshadow. Donc vous avez compris comme moi que c'était une ombre à paupières très, très brillante. J'ai du mal à trouver mes mots. De la marque, je pense, G. Kate. Ah oui, on avait eu une marque comme ça la dernière fois avec un blush. C'est une très jolie ombre à paupières comme ça, un peu bronze métallisé. Très très sympa. Pareil, on va swatcher, on va voir. Oh, elle est vraiment bien pigmentée. Hein. Oh là là! Superbissime pigmentation, je trouve. Je sais pas si ça se verra bien, j'arrive pas à voir dans le retour. Aujourd'hui, j'arrive à rien faire. Et pour finir. En tout cas, elle tient bien. Hein. J'ai plein le doigt.
Et pour finir, on a un mascara, le Amazing Lash de la marque Glam, je pense. Glam 21, donc 15$ le mascara. Et l'ombre à paupières, je vous ai pas dit, je crois qu'elle est à 5$. Donc ça fait une box qui est quand même pas donnée. Je pense que ça fait 25, 30, 35, autour de 40€ la box en tout. Donc c'est pas mal au niveau des produits, plein de petits produits. Je vous l'ouvre pas pareil parce qu'après celui-là, je pense que je le mettrai dans une box concours pour vous. Mais je suis, comme d'habitude, conquise par les Sweet Sparkle parce que ça me fait découvrir plein de petits produits. Et il y a certains produits que je mets dans le futur concours qui arrive pour les 20 000 abonnés. Donc je suis ravie. Merci Sweet Sparkle Box. Ensuite, bon, on va passer à notre colis. Ensuite, colis. Oh, colis. Ah, génial. J'ai reçu une gamme de soins pour les dents. Oui, aujourd'hui on parle de tout. Soins pour les dents de la marque Buccotherm. C'est une marque que j'avais vraiment envie de tester. Et il y en a pour toute la famille à l'intérieur. Donc je trouve ça juste génial. Et regardez-moi ça, il y a même pour bébé Buccotherm. Donc il y a une sorte de camomille et guimauve. Ça a l'air pas mal pour les premières dents. Un baume gingival à l'eau thermale. Sans parabènes. Et ils ont même mis une brosse à dents comme ça avec un petit truc pour bébé, pour mettre dans la bouche. Mais c'est génial, ça va être pour mon fils. Alors je sais pas s'il y a vraiment un âge pour commencer, je vais regarder ça en détail. Mais appliquer sur la gencive de nourrisson en massage léger, aussi souvent, un peu comme le Dolodent, vous savez, l'espèce de crème qui apaise un peu les dents. Donc ça va être super génial pour bébé. J'ai hâte de lui tester parce qu'il commence déjà à avoir des douleurs dans les dents. Pour ma fille, du coup, il y a un dentifrice enfant, comme ça, Buccotherm, bio. Bah voilà, je sais pas quel goût, ça a l'air d'être fruit des bois, fruit rouge, goût fruit rouge. Ça je pense qu'elle va adorer aussi, donc c'est super sympa, je suis super contente de découvrir cette marque là. Et pour les adultes, un dentifrice à l'eau thermale, goût menthe fluor, ça c'est parfait, pareil. J'essaye de favoriser les produits pour les dents qui ont du fluor, qui sont vraiment très bien réputés. Oups, dans le carton, il restait celui-ci qui voulait rester tout seul et ne pas être découvert. Donc c'est celui qui est pour les juniors, donc 7-12 ans. Donc celui-là, ça va pas être pour tout de suite. Pour ma fille, elle est trop petite encore. Mais soit je le donnerai à mon petit frère qui a 6 ans. Je verrai, soit je le donnerai à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est cool parce qu'il y a vraiment pour toute la famille. Ensuite, j'ai reçu deux colis de de Amazon. Donc on va regarder tout de suite ensemble. Premier, alors j'aurais voulu l'avoir avant mes vacances, mais c'est bien dommage, mais je suis super contente quand même de l'avoir. C'est une sorte de ventilateur de couleur blanche qui s'appelle le Fish Baby Fame. Donc ça peut être pour toute la famille, je trouve. Et je sais plus comment ça marche en revanche, à la clé USB, ça se charge, je ne sais plus. Vous avez le fil USB et ça ressemble à ça en fait, comme à un poisson en fait, c'est pour ça qu'ils appellent ça le fish. Et c'est un petit ventilateur hyper sympa pour... voilà, se rafraîchir. Et je pense que ça se charge, ça doit être à batterie. Je vais regarder la notice et tout, mais je suis super contente parce que voilà, ça va être hyper pratique avec les enfants, même pour moi, dans les moments de canicule à Paris. Donc ça va être top. Ensuite, dans le deuxième colis Amazon, on découvre un petit produit qui est pour mon mari. Il est super content de pouvoir tester ça. C'est, vous savez, les fameuses lunettes comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, Virtual Beauty Glasses, les lunettes virtuelles comme ça. Et du coup, il va être super content de les tester. Ça, je vous en reparlerai. Je vous mettrai peut-être, je vous en reparlerai dans un vlog, je pense, où il testera, où on testera en direct. Vous mettez, je crois, votre téléphone à l'intérieur et vous trouvez des petites vidéos sur internet ou je sais pas, vous regardez la notice. Et après, vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder. Alors, où est-ce qu'on met son téléphone? Oui, on cale son téléphone ici en fait. Et après, comme ça, quand vous les mettez, vous pouvez regarder des vidéos un peu en style 3D, comme si vous y étiez. Donc, c'est super sympa. Elles sont toutes légères. Je ne sais pas du tout si ça vaut le coup, si c'est de la qualité. Elles ne coûtaient pas très cher. Elles coûtaient autour de 20€, je crois. De toute façon, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Mais elles ne coûtaient pas très cher. Donc, c'est de la marque Hans One. La même marque que le petit ventilateur, du coup. Donc ça, pareil, ravi. Mon mari va pouvoir faire mumuse avec. Je crois qu'il va être content. Ensuite, les deux derniers colis, ce sont des achats que j'ai fait moi-même. Donc là, ce ne sont pas des partenariats ou quoi que ce soit. Je vous montre tout de suite mon premier colis. C'est chez Body Privé. J'ai été le chercher hier. Je suis ravie de ma commande. Je vous avais mis sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, tout, que j'avais craqué. Parce qu'il y avait des super offres. Et du coup, je voulais me lancer.
Ça fait longtemps que j'avais pas commandé chez eux, donc voilà, il y a toujours dans toutes mes vidéos mon lien en dessous du parrainage si vous voulez gagner 5€. Dans mes souvenirs, les colis étaient mal protégés, là ça a l'air un peu mieux. Voilà, j'ai réussi. Alors, il n'y a pas eu de fuite, ça a l'air d'aller. J'ai pris 4 produits pour mes cheveux, dont des produits que je vous ai déjà parlé. C'est ma routine que j'avais adorée de chez OGX. La première fois, je les avais reçus gratuitement, mais là, je les ai re-achetés, je les ai payés moi-même du coup. OGX, et c'est le Coconut Milk, le shampoing, l'après-shampoing, qui sont divinement bons. Et honnêtement, mes cheveux, ils ont vraiment adoré. Et cette fois-ci, j'ai commandé avec les soins qui vont compléter tout ça, la routine. Il y a l'huile pour les cheveux et alors attendez, comment ça s'appelle, je crois qu'il y a le sérum anti-casse, etc. Moi, ouais, ça doit être ça, l'huile hydratante là à la noix de coco et le sérum anti-casse. Je me suis fait vraiment la routine pour les cheveux. L'objet en fait de ma commande, c'était ce petit truc là. Il y avait une commande Beauty Blender, mais quand j'y suis allée, il y avait presque plus rien. Je voulais absolument racheter le savon en fait pour nettoyer le Beauty Blender en solide. J'avais adoré l'utiliser, j'avais terminé. Là, j'ai un autre Beauty Blender pour cet hiver et du coup, je voulais le savon pour le nettoyer. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. C'est un savon blanc basique, mais il nettoie très très bien le Beauty Blender. Et pour finir, mon petit plaisir, les nouvelles brumes Victoria's Secret. Et ça, je suis contente. Donc j'en ai choisi deux, j'ai pris au pif les odeurs, c'est des odeurs que j'ai pas parce que j'ai beaucoup de brumes Victoria's Secret. Là c'est la Exotic et la Dream, je sais pas du tout ce qu'elles valent, mais les packaging, je les trouve vraiment plus classe que les anciens. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je les trouve vraiment très classe. Allez, on teste. Oh là là, my goodness. Exotic, elles sont trop bonnes, je vais faire sentir après à ma mère qui est derrière, je suis sûre qu'elle va adorer. Et la Dream, d'ailleurs on sent moins l'odeur de l'alcool. Ah, elle est beaucoup plus fraîche. Elle me rappelle une que j'ai déjà. Fraîche, un peu style pour le lit, vous voyez. Mais elles sont trop trop bien. Je suis ravie de mes achats. Elles coûtaient 11€, je crois, sur le site Beauty Privé. Ce qui reste tout à fait raisonnable. Mais voilà, oh laisse tomber les odeurs. Au lieu de 18€, derrière, il y a les, 18$, il y a les prix derrière. Mais il n'y a pas les odeurs dessus. Il n'y a pas écrit exotique, c'est quoi. Et dans le colis, ben, on voit qu'il y a un tout petit micro échantillon de courage, mais même pas. Ah si, il est là, il s'est fait la malle, il est là, le petit échantillon de courage, et c'est tout. Bon, enfin oui, vous avez, ils sont pas hyper généreux dans leur commande en échantillon. Et le dernier colis, parce qu'il me reste la Dégustabox ici, mais que vous verrez dans une autre vidéo dédiée à la Dégustabox. Et d'ailleurs, je pense que je vous ferai un concours avec Dégustabox, donc je suis ravie. Je vous invite à aller voir la vidéo quand elle sera en ligne. Et le dernier colis, c'est une commande que j'ai fait sur le site Power Santé, qui est un site de parapharmacie en ligne. Et j'avais fait un partenariat avec eux pour ma routine Power. Vous avez été nombreuses à voter pour moi. Je suis ravie. Et grâce à vous, j'ai gagné un bon d'achat de 50€. Donc bah, je me suis empressée d'aller voir sur le site ce que je pouvais acheter. J'ai acheté principalement des choses pour mes enfants. Mais je voulais vous les montrer comme ça si vous êtes maman et que vous cherchez des produits. Moi je suis une grande fan des produits Copper, mais on les trouve pas sur le site Power Santé, on les trouve sur le site 1001 Pharmacie. Donc je suis aussi en partenariat avec 1001 Pharmacie, mais là j'avais pas envie de faire de commandes, etc. Donc j'ai choisi les produits J-Frère. C'est aussi une marque de liniments et de produits pour enfants qui est, ma foi, pas trop mal. Et la composition n'est pas si mal que ça. Mais le Copper, ça reste quand même le meilleur, je trouve. J'ai pris du coup avec mon bon de réduction que j'ai eu grâce à vous. Donc je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir été voté pour moi. J'ai pris pour mes enfants des sérums filles. Voilà, 2 paquets parce que ça sert toujours pour moucher bébé, nettoyer le visage, les yeux, les tours, tout ça. Donc toujours dans la main, J-Frère. D'ailleurs, il y avait vraiment des bons prix là-bas. J'ai constaté que sur le site, il y avait vraiment des belles offres, tout comme sur le site 1001 Pharmacie. Ensuite, j'ai pris des lingettes nettoyantes à l'huile d'olive, toujours de la marque J-Frère, voilà, pour nettoyer les mains, parfois les fesses, une fois de temps en temps. Et je voulais tester celles-ci qui sont sans parfum, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans alcool et hypoallergénique. Donc je me suis dit que celle-ci, ça pouvait être pas mal pour les loulous. Et j'ai pris 2 gros énormes liniments, un pour chez la nounou, un pour la maison. Voilà, un de combien il y a, 900 ml et un de 500. Je vous mettrai à chaque fois les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais les prix étaient vraiment pas chers. Et c'est du liniment oléo-calcaire à base d'huile d'olive et d'autres choses, je crois. C'est 99% d'origine naturelle, sans parabènes et sans sel d'aluminium. Donc ça, mais ma fille avait pas eu de réaction.
Donc j'avais déjà essayé une fois, donc je l'avais trouvé pas trop mal. Et j'ai racheté pour mon fils la crème lavande corps et cheveux de chez Velleda, que j'utilise tout le temps, pour mon fils et ma fille. J'ai aussi pris la solution micellaire nettoyante purifiant de chez Bioderma, la Pomix Grasse sans rinçage dans 500 ml que j'avais déjà acheté pour ma peau depuis que le dermatome m'avait dit que c'était mieux de prendre ça. Donc là j'en ai racheté une parce que la mienne est presque finie. Et ben, ma foi, j'en suis ravie de cette petite eau micellaire, hein, enfin solution micellaire. Et pour finir, alors je pensais que j'avais pris le produit, mais j'ai peut-être enlevé mon panier, des fois je sais plus. J'avais pris, je voulais prendre l'eau micellaire tonifiante un petit peu là de chez Sanoflore, mais je crois que je l'ai enlevé du panier parce que j'ai dû me dire que ça faisait trop cher ou je sais plus. Ou que j'allais rester pour l'instant fidèle à la Bioderma. Je ne sais plus, je vais vérifier quand même sur mon ticket au cas où il n'y a pas d'erreur. D'ailleurs, je constate qu'il n'y a pas de facture. Ah si, elle est cachée de l'autre côté. Il manque bah, justement l'Aquasa Magnifica. Mais du coup, alors comment ça se passe? Je vais aller me renseigner. Je me disais bien que j'avais prise l'Aqua Magnifica de chez Sanofiore. Donc bah, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Hein, c'est pas grave. Mais ils disent pas trop comment ça se passe. Si je vais la recevoir dans un inconnu ou pas. Je vais regarder ça sur internet. Et j'avais pris pour finir de chez Mavala l'huile pour les sèche-vite pour les cuticules. Je vous en avais montré dans mes vidéos manicure. Je l'aime beaucoup cette huile. La première fois, elle m'avait été offerte par ma copine Virginie de la chaîne Les Folies de Nini. Mais du coup, j'en ai presque plus. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'en reprendre. Elle marche très très bien. Elle sèche vite les ongles très très vite. Enfin, elle est efficace quoi. Et en plus, ça prend soin des cuticules. Donc, un gros top. Donc voilà, à part le produit Sanoflore, bah, j'ai tout. Donc voici pour mes achats, ma boîte aux lettres et tout et tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une future vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous aimez bien les unboxings. Salut, salut !